à la 81e minute pour l'égalisation avec Adjali. Prise au stade Geoffroy Guichard, Christophe Raymond a déjà transformé un coup franc pour le Sporting Club d'Amiens qui mène par 1-0. Devant 8000 spectateurs, les Verts ne referont pas leur handicap. À 4 minutes de la fin, ils concèdent même un second but inscrit par Lagdar Adjali.